Besties et bienvenue sur un vlog. J'espère que vous allez bien. I'm so happy to be back. Et dans ce vlog, en fait, c'est vraiment mom life, my misery jewelry collection. Puis je porte en ce moment plein de mes favorite pieces. Puis c'est ça, juste vous amener avec moi dans mon premier vlog de retour, nouvellement maman. Je vous montrer un petit peu des petits updates maison. Je sais pas trop de quoi ça va avoir là, ce vlog-là, pour être honnête, parce que je fais pas grand-chose. Je fais juste rester chez nous, puis être avec mon fils, puis comme tout mon horaire tourne autour de lui en ce moment. C'est juste tellement normal, justement, quand t'as un nouveau-né, qu'ils n'ont pas encore d'horaire. Fait que c'est quand même tout est autour de mon petit coco. Puis c'est ça, je sais que cette semaine, je vais vous montrer un petit peu des petits updates, ma collection de bijoux, vous amener avec moi. J'ai aussi le 30 ans de ma meilleure amie, puis on va prendre le thé ensemble. Ça va être genre ma première activité solo. Fait qu'on commence le vlog avec un petit lot baby update. Je vais vous montrer Atlas. Il est en train de boire son biberon avec son papa. Living his best life avec son papa, son biberon. Il vient de faire une belle sieste matinale de 2h30. He is doing amazing. Oh là là! Little baby update. Daddy is hands-on. Et c'est ça, on est la fin de semaine en ce moment, fait que c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup. Gab a juste eu 2 semaines avec nous au début, on aurait vraiment aimé ça le prendre plus, mais avec l'hôpital, c'était pas possible d'en prendre plus que 2 semaines consécutives, sauf que il a comme divisé son congé de paternité, puis on a un 3 semaines qui s'en vient ensemble, puis on s'est même booké des petites vacances. Je me dis, c'est pour le mieux, parce que là, dans le 3 semaines qu'il a pris, ben, on a pu vraiment comme prendre des vacances, puis enjoy. Sur TikTok, j'arrête pas de voir des vidéos, puis c'est comme de newborn trenches, puis c'est comme quand t'es dans la guerre, là, les tranchées, puis que t'es là-dedans, puis qu'à chaque jour, t'es comme Another day surviving the newborn nights. Et honnêtement, c'est quand même la réalité que les 2 premières semaines avec notre bébé, à chaque nuit, moi puis hier, on était comme, ok, on a survécu une autre nuit, on a survécu une autre nuit. Puis même en ce moment, il y a pas 2 mois, puis on est comme, ok, we got this, we got this. Puis on se motive tellement, puis on s'encourage tellement. Puis pour nous, c'est une expérience positive. Puis j'ai tellement eu un bel accouchement, j'ai tellement hâte de m'asseoir, puis vous raconter ça, puis vous parler justement comment je trouve mon postpartum en raw, en vrai. L'autre jour, j'ai partagé un petit clip sur Insta, puis c'était un moment un peu plus vulnérable parce que c'est sûr, il y a des belles journées, puis il y a des moins bonnes journées, mais même dans les journées de plus puis les journées un peu plus difficiles, j'enjoy quand même chaque moment, puis je sais que ça fait partie du chemin, puis ça fait partie du cheminement vers la maternité, comme tous les chemins dans la vie que tu prends, même quand j'étais aux études, tous les défis que j'ai surmontés, puis que j'en ai beaucoup parlé dans mon podcast. Mais si vous écoutez mon podcast, you know que je vous en parle tout le temps, c'est vraiment comme là que je suis beaucoup, beaucoup vulnérable. Puis dans n'importe quoi dans la vie, dans tous les chemins que tu prends pour te rendre à un objectif, il y a tout le temps des hauts et des bas. Puis je pense que c'est la même chose dans la parenté, dans la maternité que je remarque. C'est tellement beau, c'est tellement magique, c'est genre l'amour la plus folle que j'ai expérimenté de toute ma vie. C'est comme littéralement comme de la magie, puis comme ça me rend émotive juste y repenser à quand j'ai accouché, comment c'était juste fou le feeling que tu ressens. Mais c'est sûr que cette magie là puis ce feeling là va venir avec des journées que t'es comme ok, ouf, un petit challenge. Puis je pense que c'est juste normal, puis je suis contente parce que quand j'ai posté ma story, vous étiez tellement à m'écrire que ça vous faisait sentir moins seule, puis ça vous faisait sentir seen. I was so happy about it parce que ça m'a fait sentir qu'on se comprenait ensemble. Puis ce que j'aime de ma communauté, c'est du fait que des fois on a même pas besoin de se parler puis de se connaître, puis comme on se comprend, and we just have this amazing bond and community. Puis I'm so grateful for you guys. Puis honnêtement, je suis juste tellement reconnaissante, puis ça m'a donné encore plus envie de vraiment vous partager, puis m'asseoir, puis parler justement avec vous. Parce que ça va être une vidéo séparée que vraiment je vous jase, puis ouais, je jase dans le vlog. Good morning, bon matin besties, j'espère que vous allez bien. Ma journée a commencé déjà un petit peu plus tôt parce que je m'occupe toujours de nourrir Atlas en premier. Tout le préparer et le changer, là je le regarde sur le moniteur. On a vraiment comme notre routine matinale ensemble, puis c'est comme notre petite routine. Puis après ça, il est couché dans sa chambre et là c'est mon temps pour me préparer. Fait que sa première sieste matinale, c'est comme le temps que, c'est genre time crunch, je fais mon ménage, je pars au lavage, je vide la vaisselle, je me prépare. J'ai vraiment hâte aussi, je pense que je vais faire une vidéo séparée. Je me laissais le temps aussi d'être dans mon postpartum pour encore plus vous en parler, puis vous parler vraiment de mon accouchement postpartum comme dans une vidéo séparée, peut-être un long Q&A. J'ai tellement hâte de vous en parler, ben j'ai tellement eu un bel accouchement, puis il y a tellement de choses que j'ai appris, puis que je veux vous donner comme conseils, comme les conseils que je donnerais à mes meilleurs amis. Puis j'ai même pas raconté mon récit d'accouchement à personne dans ma famille, fait j'ai tellement hâte de plus pouvoir vous en parler. Vous avez aucune idée comment quand j'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux là, votre amour puis vos messages, je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant du bien, surtout dans mon postpartum. Quand vous m'avez écrit là, au moment où j'ai reçu ces messages là, ça m'a tellement fait du bien. Ça n'a aucun bon sens. Fait que j'ai tellement hâte d'encore plus vous en parler. Je vais me préparer, je vais faire mon maquillage. Make-up is done. Donc maintenant, je vais aller m'habiller. Puis, ouais, je suis contente d'être de retour au vlog. Honnêtement, ça me fait tellement du bien de juste vous parler en ce moment, de prendre la caméra. Puis, je me sens juste tellement comme back as myself.
Honnêtement, it feels amazing. Je pense que vraiment le premier mois que tu as un nouveau-né, c'est comme hold on, mama, you got this. Puis après ça, it gets just better and better and better. Déjà que moi, initialement, je trouve juste que c'est tellement magique comme expérience. Puis comme je vous dis, j'ai tellement hâte de faire un deep dive puis encore plus vous en parler. Comme je vous dis, c'est certain que dans un prochain vidéo, je pense que je vais vraiment m'asseoir pour vous en parler encore plus en détail. Mais je suis juste tellement excitée pour comme de mom vlogs, mom life puis tout ça. Puis je suis juste comme tellement excitée de ce nouveau chapitre-là puis de le partager puis de le vivre avec vous. Je trouve qu'on a tellement vécu plein de chapitres ensemble. C'est ça qui est fou quand je me rappelle mes premiers vidéos. Quand j'étais au secondaire, vous m'avez vu graduer du secondaire, du cégep, de l'université, me marier, m'acheter une maison. Vous avez juste été là avec moi dans tellement plein de milestones de ma vie. Puis c'est pour ça que vous êtes mes besties. Puis comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai vraiment raconté à personne mon récit d'accouchement, pas nos parents, ma mère, leur mère Agathe. C'est genre les seuls, genre nos parents qui savent. Puis surtout les mères en fait qui étaient plus intéressées à savoir genre chaque détail. Fait que j'ai hâte de comme encore plus vous en parler, vous parler plus de mon expérience, comment j'ai trouvé ça et tout. Puis je trouve ça juste vraiment le fun. C'est comme un beau chapitre que je peux partager avec vous. Puis I'm just so happy. Genre dans deux secondes. This is my current setup, besties. Milo. Atlas qui boit son biberon. Petit coco, il me regarde avec ses grands yeux ouverts. Moi qui est là puis qui essaye d'éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder. De mes beaux bijoux Mejuri qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui, donc avec qui je collabore. Vous avez sûrement déjà spoté certains pieces que j'ai commencé à porter sur Insta. Je me fais souvent demander où est-ce que j'achète mes bijoux, puis j'aime tellement les bijoux, vous savez comme j'adore les bijoux, puis j'aime aussi bâtir ma collection tranquillement pas vite, parce que veux pas, Mejuri c'est vraiment, il y a des bijoux en or blanc, en or jaune, des bijoux en argent. Moi les bijoux que j'ai choisis sont majoritairement en or, donc 14 carats, vraiment des bijoux de qualité honnêtement, avec des diamants. Vous pouvez voir toutes les informations sur les diamants des bijoux sur le site internet, et également j'ai un lien qui vous offre 10% automatiquement, donc comme faites votre commande avec mon lien affilié, mais vous avez un rabais, fait pour vrai ça vaut tellement la peine. Le temps des fêtes qui s'en vient, all the holidays that are coming, but just to spoil yourself ou pour se faire plaisir à soi-même, je trouve que comme ça vaut tellement la peine d'investir dans des bijoux qu'on sait qu'on peut porter dans la douche, qu'on peut porter en tout temps, qui sont vraiment de qualité, puis surtout comme je vous dis avec l'or 14 carats, c'est sûr qu'on se trompe pas. Et vraiment, my Mejuri Jewelry Collection that I want to present to you, puis vous montrer un petit peu où ce que j'en suis. Puis c'est une collection que je veux continuer de grow tranquillement, pas vite, puis d'ajouter des items. Vraiment, mon premier item, my favorite piece, c'est la chaîne. En fait, j'ai pris la chaîne en or 14 carats avec le petit A en diamant pour Atlas, for my son. It's so cute. Honnêtement, je l'aime tellement. Puis je le porte comme tout le temps. Je l'ai pas enlevé depuis que je l'ai reçu. Fait que peut-être qu'il y en a qui l'avaient déjà spoté, because I wear it all the time. Et c'est ici, besties, si vous devez acheter one thing as a gift for someone, quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, quelqu'un comme for the holidays, whatever it is, regardez-moi cette boîte à bijoux. J'ai jamais vu une boîte à bijoux qui correspondait autant à mes besoins. Je cherchais vraiment une boîte à bijoux qui était comme sleek and clean and classic, puis qui est juste timeless. Puis c'est tellement beau parce que ça met ton monogramme. Fait que moi j'ai mis mes initiales MP dessus. Honnêtement, je l'adore, c'est sûr que j'en achète une à ma mère. Puis je pense que j'ai même acheté une à la mère à Gab, parce que je trouve que c'est tellement un beau cadeau. Il l'a en beige aussi, fait que noir ou beige. Puis dans le fond, c'est une boîte à bijoux honnêtement qui est tellement pratique parce que c'est comme un stackable thing. Fait qu'il y a comme des compartiments comme ça que tu peux juste enlever. Puis il y en a trois comme ça. Je vais vous insérer vidéo aussi pour vous montrer, mais il y a trois compartiments. Fait que moi ce que j'aime, c'est juste toutes les sortir, les mettre sur mon comptoir, puis je vois vraiment toutes mes choses. Et dans le fond, j'ai choisi de vous montrer, ça c'est ma petite collection, je commence à grandir tranquillement pas vite. Fait que je vais vous faire un little haul. Honnêtement, la qualité de ce coffre là c'est juste insane. S'il y a une chose, je pense, mes top à date produits, c'est déjà, je vous le dis tout de suite avant de vous montrer le reste, mais comme ce collier là et ce coffre là obsessed. Alors, je vais vous montrer le reste de ma petite collection qui est en train de grow, puis les pieces que vous avez déjà vues, puis les pieces que j'aime de commander. Fait que ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais une bague chunky comme ça, puis que je pouvais aussi mettre dans la douche, comme je vous disais, puis qui était vraiment de qualité, puis je l'aime vraiment. Ce bracelet-là, en fait, moi, ma pierre de naissance, c'est les diamants. Ça tombe vraiment bien. Diamond is my birthstone. So, we love that for me. Alors, j'ai pris celle-là avec les petits diamants. C'est en or, 14 carats. Je l'aime vraiment pour vrai. Tellement un beau cadeau aussi à offrir à quelqu'un. C'est juste parfait comme bracelet. Vraiment comme un dainty, cute little bracelet. Puis mon but, ce serait d'en avoir une coupe que je peux comme stacker sur mon bras puis avoir plein de petits bracelets. Fait que c'est pour ça que j'en ai commandé un deuxième pour comme bâtir tranquillement ma collection. Celle-là, qu'est-ce qui est vraiment cool, ce bracelet-là, c'est un charm bracelet. Fait que sur le site de Mejuri, vous pouvez vraiment avoir des charms également. Puis il y a des colliers pour les charms, il y a des bracelets pour les charms. Vous pouvez les mettre après des boucles d'oreilles. Vous pouvez mettre le charm après, comme moi, le petit charm A que j'ai mis après ma chaîne.
You can put the charm basically everywhere. Donc, moi, j'ai pris le bracelet à charm également, qui est en or 14 carats, avec le petit éclair, le petit little lightning ball, comme ça. Et vous pouvez voir vraiment toutes les infos, comme je disais, des diamants sur le site, parce que je ne m'en avais plus par cœur, mais ils disent vraiment la provenance, ils en parlent en détail, etc. Et en or, justement. Puis moi, je pense que vous pouvez même juste acheter le charm en cadeau à quelqu'un. Si vous êtes plus sur un budget, puis vous voulez commencer à investir tranquillement, pas vite, dans des pièces en or. C'est sûr qu'il y a des bijoux en vrai or. Il y en a pour tous les budgets sur le site, mais je pense que, honnêtement, les charms, it's like a good way to start building your collection. Puis comme je vous dis, moi, j'ai tout le temps mon petit charm A, puis je trouve que ça fait vraiment un beau cadeau aussi pour soi-même. Fait que là, j'ai pris celui-là, puis tu sais, dans le charm ici, c'est comme une clique que tu peux vraiment rajouter comme le nombre de charms que tu veux, puis ça se met vraiment bien solo. Parce que mettre des bracelets sans aide, on sait que c'est quand même des fois un challenge. Fait que celui-là, à date, je l'ai mis toute seule une couple de fois, puis ça va très bien pour le mettre. Fait que parlant de charms, justement, ça, je pense aussi, c'est comme un de mes mots. Je viens juste de l'acheter, comme vous pouvez voir. I just ordered this one. Il est tellement cute avec le petit A. En or 14 carats. Fait que dessus, il y a un petit A qui est engravé pour mettre soit après mon collier ou après mon bracelet pour mon fils Atlas. Honnêtement, en ce moment, je suis juste tellement obsédée par lui que comme tout ce que je veux, c'est avec son nom dessus. Tout ce que je veux parler, c'est de lui. Tout ce que j'ai à dire de ma vie, c'est lui. Parce que littéralement, je passe tous mes jours avec lui. Fait qu'au niveau de comme même mon téléphone, tout ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer des photos de mon bébé. Puis comme, je suis juste obsédée par mon bébé. Fait que ça paraît dans les bijoux que j'achète. All I see is him and my son. Alors, c'est sûr que j'aime vraiment le petit A comme ça. Puis, j'ai fini avec les petites boucles d'oreilles en or, ok? Ça, là, ça fait longtemps que je m'en cherche parce que j'ai pas de boucles d'oreilles que je peux mettre dans mon deuxième trou. Tous mes bijoux dans mes boucles d'oreilles, en fait, là, c'est toutes des bijoux en or. Parce que moi, je fais vraiment des infections rapidement au niveau des oreilles. Fait que, tu sais, j'aime ça avoir des bijoux fashion, mais pour dormir, prendre ma douche, c'est tout du vrai or. Puis, j'en avais pas pour mettre dans mon deuxième trou. Fait que, j'ai commandé ceux-là qui sont, encore une fois, en or 14 carats. On va les mettre ensemble. Voilà, ça ressemble à ça. Et voilà, de ce côté-là, j'ai pas tant de bijoux, mais vous voyez, j'aime vraiment pour mon deuxième trou. Ça, c'est ce qui complète qu'est-ce que j'ai pris pour moi, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris comme cadeau. Fait que dans le fond, je sais pas si vous avez suivi mon podcast puis toute ma péripétie. Maintenant, j'ai une nouvelle manager que j'aime tellement. Et maman comme moi, elle me comprend énormément, puis on a juste like this amazing connection, puis je voulais vraiment la gâter parce qu'elle avait dit qu'elle avait spoté ce collier-là sur le site Mejuri. Fait que ça vient comme ça dans un duffel bag. Fait que c'est vraiment justement qualité, puis je trouve que pour le prix que tu payes, honnêtement, ça vaut la peine. Parce que j'ai déjà commandé des bijoux vraiment chers en ligne, puis j'étais quand même vraiment de la qualité, puis juste même du packaging. Je pense que quand tu payes un item d'un certain montant, tu t'attends aussi à recevoir une belle boîte cadeau. Moi, je trouve le petit sac comme ça, chaque détail, ça fait du sens. Même le fait qu'ils ont mis l'attention aux détails comme ça. Fait que le petit duffel bag, quand tu voyages, chaque chose que j'ai commandé venait avec un duffel bag dans une boîte. Fait que ça fait que pour le voyage, pour faire ta valise, pour traîner dans ta sacoche, ça se traîne parfaitement bien. Fait que t'as le petit sac comme ça, puis ça vient tout dans des boîtes comme ça, Mejuri. C'est le petit collier que j'ai pris, c'est un diamant, puis c'est en or blanc 14 carats. Honnêtement, je l'aime vraiment. Je trouve que c'est tellement cute and classic, a little timeless necklace qui est vraiment chic. Ça me donne vraiment like Sofia Richie vibe, tu sais, qui est vraiment en mode des petits bijoux doux, classiques, féminins. C'est ce que j'aime beaucoup de Mejuri. Non seulement il y a des pièces qui sont très fashion, très out there, vraiment bold, mais t'as aussi des pièces qui sont plus comme cute and feminine, like this one, que j'aime énormément. Donc c'est ça for my Mejuri Jewelry Collection. Donc n'hésitez pas, je vais mettre tous les liens en bio. Puis comme ça, investissez, quand je vous parle de quelque chose, ça fait longtemps que je les teste, puis que je les aime, puis je suis vraiment fière de m'associer avec cette compagnie-là. Honnêtement, si vous allez sur leur page Instagram, vous allez voir la quantité de célébrités, puis d'autres personnalités publiques qui ont porté les produits, puis qui les aiment, puis qui en parlent, puis qui portent. Je trouve que ça donne aussi confiance. Puis moi, c'est pour ça que j'avais vraiment hâte d'essayer cette compagnie-là, parce que je le voyais littéralement partout sur ma page, je voyais juste Mejuri everywhere. Tranquillement, pas vite, bâtir la collection puis le travailler avec eux pour la vidéo. Je suis juste tellement excitée. C'est tout grâce à vous, honnêtement, bestie. Je suis juste tellement reconnaissante que vous écoutez mes vidéos puis que vous aimez mon contenu, vous aimez voir mes weekly vlogs, vous aimez voir mom life and everything. Puis c'est tellement important de just spoil yourself. T'es une nouvelle mom, you're a new mom. You can buy your own push present for yourself. Et aussi, c'est tellement une bonne idée aussi à offrir à une de vos amies qui vient d'accoucher comme la lettre du nom de son enfant. Je trouve que c'est tellement, tellement un beau petit cadeau personnalisé. Moi, j'aime beaucoup les trucs personnalisés. Fait que comme vous avez pu voir, j'adore le coffre avec mes initiales MP. J'aime les trucs qui sont vraiment comme, qui ont a custom feel to it, that are very personalized. Ça, pour moi, c'est comme wow. Alors, c'est sûr que si vous cherchez des trucs que vous pouvez faire engrave des bijoux, que vous pouvez faire vraiment personnaliser des trucs, il y a même des plaques que vous pouvez mettre un nom dessus, ça vaut vraiment la peine. Puis surtout, des fois, faire engraver puis avoir des custom bijoux qui sont en vrai or, ça peut monter vraiment, vraiment dispendieux. Fait que je trouve que pour ça, c'est abordable. Dites-moi là si jamais vous commandez puis vous essayez des trucs, envoyez-moi un DM. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir votre expérience aussi. J'ai hâte de lire qu'est-ce que vous allez choisir. Genre de voir qu'est-ce que vous allez prendre aussi. Fait que vous me direz le tout. Je suis vraiment contente de vous avoir montré ma collection. Puis on se rejase un petit peu plus tard dans le vlog.
Another day, mom life. J'ai genre 2 secondes pour get out of the door. Oh god. And I'm missing hands. On dirait qu'il me faudrait genre 8 mains pour comme accomplir tout ce que j'ai accompli. Je fonctionne en ce moment avec 2 brain cells qui fonctionnent. Honnêtement, it is something. Juste avoir les cheveux propres, c'est la réalisation de ma semaine, honnêtement. Fait que, au moins, en ce moment, aujourd'hui, c'est le 30 ans de ma bestie, une de mes besties. Comme vous savez, j'ai comme plusieurs besties, dont vous. Et on s'en va prendre le thé au Reine Elisabeth. C'est tellement une belle expérience, une belle activité. Donc, c'est sa fête. Puis, ouais, on s'en va on girls, a little activity. Les gars restent ici avec Atlas. Je porte mon petit A que je vous ai montré de Measure. Puis, j'ai ma bague et 2 bracelets. Depuis, les aimer, je les ai jamais enlevés. J'ai pas le temps de comme les enlever puis remettre mes bijoux. Puis, je vous amène prendre le thé avec nous. Quick little home update. Donc, ça, c'est the new playroom. So, baby's playroom for now. Et un petit coin for my dog. On a installé une gate qui est là. Puis, c'est vraiment juste pour la nuit. On la met, c'est une gate rétractable. Puis, ça laisse pas Milo loose dans la maison. Puis, c'est ça, on a juste mis son petit play area here. J'aime le blond buffet en dessous de la fenêtre avec les luminaires. Je trouve que ça fait bien beau. Fait que c'est ça. The little room update. Donc on vient de finir le bain, je viens de faire ma routine skincare dodo et là je vais aller rejoindre Gab qui est en train de verser Atlas pendant que je vous filme ça, puis je vais aller donner plein de bisous à Atlas, puis on va le coucher pour son premier stretch. We are praying qu'on dépasse le 3h, peut-être 4h de suite. À date il est vraiment bon, puis il se lève aux 3 à 4h, so we're getting into the 4-hour stretch. So excited. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire un gros merci. N'hésitez pas à commander des bijoux avec mon lien. Vous avez 10% de rabais. Et vous pouvez aussi pick up en magasin à Montréal. Puis comme je vous disais, il y a une garantie de 2 ans. Vous avez 30 jours aussi pour échanger les bijoux Measure. Puis c'est tout des bijoux en or, 14 carats. Donc, vous pouvez dormir avec moi. Je vais me coucher straight up. Je vais dormir avec tous mes bijoux. Et c'est tellement des beaux cadeaux à offrir avec le temps des fêtes qui s'en vient. Puis vous me direz si jamais vous commandez des items. Puis sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye besties.